L'ancien coach du tout-puissant Mazembe Patrice Carteron reste au Maghreb, mais cette fois avec les Amalek Sporting Club. Sa passion pour les Maghrébins lui pousse à entraîner encore une fois de plus son quatrième club du nord de l'Afrique. D'abord avec le Wadi Degla, Al Ahly et Rajadou, il vient récemment d'être limogé. Il est choisi pour amener les Égyptiens en finale après la décision du président Mansour Mortada, après la défaite humiliante subie par les Amalek à Lubumbashi contre le tout-puissant Mazembe. De son côté, Moultine Sredojevic a été dépossédé après la dite déception survenue le week-end dernier au stade de la Kamalondo. Patrice Carteron est l'élu pour amener Zamalek sur les rails. Après les tensions qu'il y a eu entre le tout-puissant Mazembe et leur ancien coach, Patrice Carteron se verra en face du tout-puissant Mazembe lors de la cinquième journée de la phase de groupe, depuis leur séparation en décembre 2015. Bien remercié par le comité du club pour la victoire lors de la Ligue des Champions la même année, après avoir incité quelques joueurs de TP Mazembe à le rejoindre au Canada où il avait passé quelques mois à l'Impact Montréal de Didier Drogba, avant son retour en Afrique. Le match retour entre Zamalek et tout-puissant Mazembe risque d'offrir une occasion de vengeance pour Patrice Carteron.